Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Good day, Flora Jingla. Bonjour, Cathy Toulou. Good day, dear viewers. Welcome to the Balingua edition of the news, the last edition of the week on Canal 2 International. We begin with top stories, actually. Pierre, panic and confusion still reigns at Collège Évangélique of New Bell here in Douala. More than 100 girls have fallen into a trance. A group of young girls of the college are said to belong to a sect, and they are responsible, according to the sources met there, for this mystical situation. Calm is yet to reign on campus. Le marché central de Douala, dans la confusion totale, les commerçants ont entrepris d'occuper illégalement les boutiques de la zone sinistrée. À l'origine de ce soulèvement, l'incendie du transformateur. Any Transport, Public Works Minister Patrice Ambassala and French Ambassador to Cameroon, Christine Robichon, yesterday visited two construction sites in Douala, both partly sponsored by the French Development Fund. We shall be having details of that story in this newscast. En sport, barrage pour la désignation des champions de football dans le littoral. Les demi-finales retour se jouent demain samedi. Hier déjà, il y a eu des matchs allés, des rencontres achevées sous des scores serrés. Good day and welcome once again. Panic, fear and confusion, as we said on our headlines, is still to come to an end and still reigning at Collège Évangélique here in Douala, in New Bell, precisely as about 100 girls, students actually have fallen into a trance. A group of young girls who attend this college are said to be responsible for this mystical act, as they could be in a sect. Details in this report with Morinzi. An unusual atmosphere reigned at Collège Évangélique of New Bell in Douala on Thursday, November 13. Prayers and deliverance sessions are being administered on young girls who have just fallen into a trance. More than 100 girls affected on and out of campus, there is general panic. No one can tell with certitude what was happening. Reports say a group of young girls of the college who are adept to a cult are responsible for the unusual situation. The problem sparked off when one of the culty girls realized her cell phone was stolen by an unknown person. She said to have visited a witch doctor who told her the suspect was in the college. This later provoked a fight on campus that involved several persons. That was how the girls started falling one after another into a trance. Elements of the firefighting unit, security force. We shall have a follow-up of that story in our subsequent newscast. Now, we mentioned equally on our headlines, Public Works Minister Patrice Ambassala, as well as French Ambassador to Cameroon Christine Robichon, have in Douala visited two construction sites, actually partly sponsored by the French Development Fund. Kejang Henry, senior reporter on that beat. One year after a foundation stone was buried to top up the construction of a second bridge across the Voree River, works have been executed at 23%. Revelations made by a joint delegation of sponsors from the Ministry of Public Works and the French Development Corporation, who sojourned in Douala on November 14 to inspect major road projects in Douala. Public Works Minister Patrice Ambassala and French Ambassador to Cameroon Christine Robichon visited two construction sites, the eastern entrance into Douala from Yaoundé and the Voree Bridge sponsored by the French Development Fund. Though obstructing businesses, the construction of a broadway at the eastern entrance of Douala from Yaoundé will decongest the habitual traffic holdup on that road axis. However, the big problem remains a deviation route which is still to be kept. As for the west entrance into Douala from Boya, Bafoussam and Bamenda, works will begin soon and will last 30 months.
We remain actually in Douala, where a company that produces food actually based in Douala, Parli G, the workers have stopped working. They are complaining actually about meager salaries, inhuman treatment, and equally the lack of infrastructural rehabilitation. Let's have details in this report. Thursday, November 13th, in Douala, the workers of the Parli G company have stopped working. The workers of this Yasa-based company in Douala are seated almost everywhere within the company since morning to express their troubles. They want the personnel chief to resign and are denouncing the bad working conditions within the firm. They are treated like animals, no rehabilitation, meager salaries, amongst other complaints. Since the company is moving continuously, progressing, but workers are not progressing. Why? Because there are people who come from the Indian, they use us like people who are using rocks to do their job. We means we don't have steady way of working. Every month, every 2 weeks, they add many, many vitesse of which we cannot survive to work. This causes many and many problems. People work ever suffering without having chance to rest. That's why we decided to be today. Either they have to solve our problem by increasing our salary or giving us many prim before we can do everything in opportunity. The workload has increased, yet the salaries are not changing. The workers are working like machines. The Chief of Administrative and Financial Affairs, Mr. Boris Lonchieu, is seen here attempting to assemble the striking workers, but in vain. He mentioned later that the administration is not aware of their complaints. The workers, on the contrary, have said it's false. It is the second time the workers of this company are going on strike to denounce the bad working conditions and the inhuman treatment on them. Le marché central de Douala brille depuis quelques jours par l'occupation illégale de la zone sinistrée. Après l'incendie du transformateur, les commerçants se sont soulevés et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala appelle à l'ordre. Dieudonné Tep. Décidément, les problèmes n'en finissent pas dans les marchés de la cité économique du Cameroun. Cas précis, le marché central de Douala. Suite à l'incendie causé par un transformateur dans la nuit du 5 au 6 novembre dernier, cette zone sinistrée a été interdite aux commerçants par le délégué du gouvernement pour cause de travaux. Seulement, sur les lieux, le constat est tout autre. Cardenas cisaillés, vides cassés et boutiques illégalement occupées. Nous sommes surpris, moi le président, de voir certaines boutiques en train où les travaux ont commencé, ont débuté. Et même pas par les vrais propriétaires, pas des individus qui viennent et veulent prendre des boutiques de force. Je me suis rapproché encore de plus, une fois de plus, vers le délégué du gouvernement, vers la communauté urbaine. Il n'était au courant de rien. C'est triste. Mais heureusement, le délégué vient de sortir un communiqué. Dans ce communiqué, justement, qui date du 13 novembre 2014, Fritz Tonnen-Tonnen reprécise que pour des raisons de sécurité et des travaux de cette zone sinistrée, cet espace marchand est interdit au public. Autre point à ne surtout pas négliger dans ce marché, le contrat d'attribution de boutique devenu une véritable gangrène. Le contrat d'attribution a été interprété comme un contrat de propriété. Ça fait que des individus se sont ont pris possession de 5-6 boutiques et ont mis en location. Après l'incendie, on a donc découvert que déjà deux personnes se plaignaient pour le même magasin. Certains brandissaient le contrat d'attribution, d'autres brandissaient le contrat de sous-location. Selon la communauté urbaine de Douala, toute personne qui se met en marge de cette décision s'expose aux sanctions judiciaires. Tous unis contre la déstabilisation au Cameroun, les autorités administratives religieuses de Yabassi ont uni leurs prières à l'occasion d'un culte œcuménique. Imams, pasteurs et prêtres se sont réunis pour dire non à la violence et surtout passer le message de la prière sans cesse afin d'éteindre tout foyer de déstabilisation. Monique Laure Naoussi, David Janté. Au moment où la paix semble menacée au Cameroun, les populations de Yabassi unissent leurs prières pour sauvegarder sa stabilité. Les imams, les pasteurs et prêtres, tous les leaders religieux, à l'occasion de cette célébration œcuménique, appellent les Camerounais de tous bords à militer pour cette cause, notamment le soutien au chef de l'État.
À chaque fois qu'on a franchi un pas décisif dans la vie, qu'on s'arrête pour rendre grâce à Dieu, alors toute la signification se tourne autour de cela. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. La sauvegarde de la paix, l'autorité traditionnelle du Yabassi en fait son affaire, d'où la présence active à ce culte œcuménique. Nous avons pensé que en ce moment particulièrement difficile, il était urgent que nous pensions à élever une prière. Cette initiative, l'autorité administrative du NCAM l'apprécie. L'Éternel donne le courage au chef de l'État, en dépit de l'insécurité qui prévaut dans certaines régions du pays et de certains faits sociaux, certains faits familiaux, pour qu'il ait le courage de tenir la barre qui lui permet ainsi de diriger notre pays. Et en plus des prières et des soldats au front, la vigilance doit être maintenue afin d'extirper les gènes de déstabilisation. Un mot de culture dans ce journal, la finale de Music Star, c'est ce soir au Castel Hall de Bonaprizo. Alors, mais hier après-midi, les quatre finalistes se sont rendus chez le grand maître Rabarabi Petit Pays qui leur a prodigué des conseils. Cela s'est passé à Bomono, l'île Kédio. Il fallait garder la surprise pour la fin. Les quatre finalistes de Music Star ont été reçus par le grand maître Petit Pays Efata à Bomono, un de ses chantiers. En tant que leur aîné dans la musique, leur idole, ces quatre finalistes ont bénéficié de quelques conseils du grand maître pour réussir une bonne carrière musicale. Je suis très heureux de recevoir les candidats de Music Star du Cameroun ici chez moi à Bomono, par le biais, bien sûr, de M. Sylvain Gondi, qu'il a souhaité. Et voilà, donc je me dis que Music Star est une structure merveilleuse pour l'avenir de nos jeunes. Après ces conseils pratiques, Petit Pays Efata leur a offert un buffet géant. Un moment de partage que ces candidats ne sont pas prêts à oublier de sitôt. C'est quelqu'un qu'on voit seulement à la télé. Mais aujourd'hui, on a eu cette occasion-là, cette opportunité de rencontrer le grand Rabarabi, qui nous a prodigué beaucoup de conseils. I think I'm very much grateful today because meeting Rabarabi for my first time, it's something so great in my life. Meeting Rabarabi, he's a very good friend of my boss, Monsieur Tafungasa Martin. I've always heard of him. I've watched him on videos. Un grand merci aux brasseries du Cameroun à travers la marque musique qui sont actuellement, comme je dis régulièrement, qu'ils sont en train de réaliser mon rêve. Ce sont des finalistes tout heureux aux côtés des cadres des brasseries du Cameroun qui ont quitté Bomono et prêts à affronter le public du Castel Hall de Douala ce vendredi soir lors de la grande finale Music Star édition 2014. Et toujours en culture, l'artiste camerounais Julio Trésor est en concert ce soir à partir de 19h au restaurant La Chaumière. C'est à Bonaprizo. Rendons-nous à présent à Yaoundé où on va revenir sur les obsèques de Francis Kouen. On en parle naturellement avec Karel Mezatia. Bonjour. Bonjour. Good morning, Florent Jingla, madame, messieurs, bonjour. Une information triste pour ouvrir ce journal depuis Yaoundé. Le sénateur Francis Kouen, décédé récemment, a reçu hier les hommages de ses compères au palais des congrès de Yaoundé. C'était au cours d'une séance particulière teintée d'émotion. Retour sur ces moments avec Serge Alain Ziebou et Arlette Bouandébé. Une atmosphère lourde, ce jour au Sénat, traduisant toute la peine due à la perte d'un aîné, un grand homme, ouvert aux mutations du monde moderne, malheureusement arraché à l'affection. À l'entrée de la dépouille dans la grande salle silencieuse du palais des congrès, les sénateurs rendent un hommage debout, seul un cantique en latin pour apaiser toute la douleur d'une assistance affligée, médusée mais surtout éplorée. C'est dans cette ambiance morose que le président du Sénat prononce le discours d'hommage parlementaire. Niat Ndifendi Marcel présente le défunt comme un républicain. Mais alors,
un républicain convaincu. Républicain convaincu. Il aimait profondément le Cameroun, son pays, les institutions. Il y avait un respect différent vis-à-vis de celui qui en est le garant. En même temps, il était attaché à sa région du Nord-Ouest, à son département de Bolo, à son village d'origine de Kingcom, plus particulièrement à l'église Saint-Antoine de cette localité. Francis Kouen, passionné par la diplomatie et les relations internationales, au point d'en épouser le raffinement et d'en maîtriser les subtilités et les nuances. En sa qualité de président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, il a contribué à promouvoir le rayonnement international de la Chambre haute. Le président du Sénat s'incline devant la dépouille. Il est suivi par le vice-premier ministre Amadou Ali et à tour de rôle, le même rituel. Lorsque Francis Kouen ressort du Sénat, ses camarades savent qu'il ne reviendra plus jamais au grand désarroi. Mais ça fait très mal parce que c'est le deuxième sénateur que nous perdons juste au début de session. Ça fait beaucoup. Il va beaucoup nous manquer. Nous sommes très malheureux de l'accompagner aujourd'hui. Mais que la terre de nos ancêtres soit légère. Départ dans son boyau natal où il vit le jour un 19 avril 1930. 84 années de vie se referment sur le sénateur pour l'éternité. Tout à fait autre chose. À présent, le corps sans vie d'un jeune homme non identifié a été retrouvé ici à Yaoundé, au lieu-dit poste central. Il était vendeur des CD, raconte des témoins. Plus de détails dans cet élément que signe Marie-Thérèse Alima. On vendait juste les CD ensemble. On était comme des frères, quoi. Chaque jour, je peux dire, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Jean-Yves remémore les moments passés avec Rahim Serge, vendeur de CD à la poste centrale. Il a perdu la vie dans son lieu de service aux environs de 17h hier. Des curieux et passants regardent la dépouille sans commentaire. Sur les circonstances de sa mort, son collègue donne quelques explications. Il a commencé la maladie à de cela. Un mois environ, un mois et deux mois aujourd'hui, où on m'a appelé un bon matin, que Rahim Serge est tombé là où il vivait. Et hier soir, on m'appelle encore que Rahim Serge est mort. Ce matin encore, le corps sans vie attendait une éventuelle intervention pour son évacuation vers une morgue. Ses collègues restent cependant coupés de tout contact avec sa famille. C'est sur cette autre information triste que nous vous renvoyons l'antenne à Douala, Florent Jingla. We go up to the west region of Cameroun, precisely in Bambutos, where the serious storms from the last rains is actually ravaging several houses and equally trees, making them fall down. The new building offered by the Parent Teachers Association of the government, Balingo High School of Mbuda, actually was affected, and this to the dismay of several teachers, parents, and even the students. Details with Morindi. This is a new phase of this area after a strong wind ravaged several infrastructures on its passage. We are in Bambutos division in the west region of Cameroon. The heavy rains and the wind estimated at more than 180 km per hour destroyed houses, trees and a good number of administrative buildings. Government Balingua High School Buddha was not spared. It is the second time it's been affected by such wind and heavy rains. The last attack was on September 8th. Teachers, students and even parents had described the resumption of classes at that time as a veritable nightmare. Classified as the fourth on 865 secondary schools nationwide by L'Office du Baccalauréat during the 2011-2012 academic year and the first in the 2012-2013 school year, the school entirely constructed by Parents Teachers Association and teachers themselves has in the current year benefited 12 classrooms, 2 offices and a hall for teachers. Ex-students have promised to do more and make it a school of reference, but on condition that the present structures are well catered for.
We continue talking about developments, but coming back to Douala this time around, the inhabitants of Douala 5 have respected their tradition by keeping a weekly clean days in view of making their environment worth living in and also sensitizing the population on the need to keep their environment clean. Let's have more with Theodore Minkalachela. Let's make a good gesture and avoid the bad gesture. This is the message carried on flyers and distributed to inhabitants of Douala 5 this Thursday morning on its Keep Clean Day. Thursday General Keep Clean Day is a long-standing tradition in the subdivision. This exercise is supervised by Jacob Carey, second assistant mayor of the Douala 5 Council. It started from the Bonfils runabout in Bepanda up to Ndokoti. Roadside stands and makeshift structures are being destroyed and a cross marked as a sign of warning placed in front of stores and cars which are illegally positioned. Traders who run their businesses illegally on the pavement at Ansh Raphael have been sensibilized on sanctions which will be taken against them by the invest. Douala 5 Council hopes to effectively stop these activities. Madame le maire, the mayor, Francoise Fony, gave us instructions to sensibilize the inhabitants, proof that she had been earlier sensibilizing them through several meetings and asking occupants of public enterprises, garage owners, washing points to liberate public areas. The Keep Clean Day cannot be effective in other subdivisions and is inactive in Douala 5. The instructions given are firm because the mayor of Douala 5 and the subdivisional officer have spoken to the head of neighborhoods. The chef de quartier, il a été clair là-dessus. And one recalcitrant who hide behind their stores waiting for cleanup hours to be over. The next cleanup will be in a week's time and inhabitants of Douala 5 are massively called to participate in keeping the subdivision clean. En sport, on l'apprend à l'instant, le comité de la CAF réuni récemment en Égypte vient de décider que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 se déroulera en Guinée équatoriale. Et nous restons en sport, nous parlons des barrages pour la désignation du champion de football dans la région du littoral. Les demi-finales retour se jouent demain samedi. Hier déjà, il y a eu des matchs aller, des rencontres achevées sous des scores excessivement serrés. David Sangio. Les quatre barragistes de la région du littoral attendront encore pour avoir le cœur net au sujet des qualifiés de la finale. Cela s'est démontré lors des demi-finales allées au stade de la réunification de Douala. Feeling Academy et École de football des Brasseries font jeu égal, 0 but partout, dans une rencontre âprement disputée. Même si les filets sont restés vierges, cela n'est que partie remise. On savait que ça n'allait pas être facile, donc, mais qu'à cela ne tienne, on a quelques jours devant nous pour récupérer. Par la suite, on va bien se préparer, n'est-ce pas, pour pouvoir se qualifier à la phase retour. Nous, on est en train de former des joueurs de haut niveau et je crois qu'on ne vend pas le match, on ne paye pas le match, mais si les enfants peuvent faire jusqu'à passer à le Brasserie, n'empêche pas qu'ils fassent. Mais le Brasserie n'est pas là pour faire, pour voir l'équipe en premier, ce n'est pas leur objectif là-bas. En seconde rencontre, Stade Renard de Mélan prend le dessus sur Ikoba, 2-1. Véritable chassé-croisé entre les deux équipes, au style de jeu chatoyant. Le club du département du Mungo se démarque, mais reste prudent. C'est vrai, nous avons un pied en finale, mais le sens n'est pas fait. Il y a encore un match retour. Je crois que tout va se jouer là-bas. Parce que c'est un match de football, on ne gagne pas à l'avance. Il y a un match retour, c'est pourquoi on dit que le match ne se gagne pas en aller. Il y a un retour, on va continuer à se préparer. Ils se positionnent très bien, ils ont envie de marquer. Et ils ont commencé à jouer par les comptes. Malheureusement, nous sommes retombés et on les a donné le second but. Les matchs retour sont prévus ce samedi. La finale suivra et le champion de la région du littoral ira au tournoi qualificatif pour l'accession en Ligue 2. Et puis dans le même registre, Coton Sport de Garoua est le premier finaliste de la Coupe du Cameroun de football, édition 2014. Il s'est qualifié à la faveur de sa victoire en demi-finale retour sur UMS de Loum sur le score de 3-1. Coton Sport connaîtra son adversaire de la finale dimanche prochain à l'issue de la rencontre demi-finale Canon de Yaoundé et la Panthère Zundé. Et on le sait, les Lions indomptables du Cameroun affrontent
demain la République démocratique du Congo dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Guinée équatoriale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Canal 2 International avec à partir de 20h le grand format présenté par Jean-Jacques Zé. Au revoir, Flora Jingla. Good day, Katitulu. Good day, dear viewers. Thank you very much for your kind attention. News in English language at 6 p.m. exactly. As Cassie mentioned, the French language at exactly 8 p.m. with Jean-Jacques Zé. Have a nice weekend in the company of all our programs.